président de la Société d'histoire de communes, vous parle. Winston, un sombre jour de 40, sous le titre « Sang, sueur et larmes », le mot suivant qui lui valut les sarcasmes des nazis. Ce mémorial doit représenter à nos yeux trois symboles qui ne sont pas précisément des mots creux. Il doit d'abord signifier l'union des cinq communes de l'entité, soit également pour nous la bande de l'amitié franco-belge. Ce mémorial doit ensuite démontrer, tout particulièrement à ceux qui n'ont pas connu la guerre, que le civisme, quoi qu'en disent certains, reste pour nous une valeur qu'il y a lieu de respecter. Ce mémorial doit enfin nous faire penser aux nôtres, français, belges, alliés, qui perdirent la vie lors de la patiente réalisation de cette libération tant attendue. Sa jeunesse en pleurs fait l'infante. Et ce fut lui qu'elle emmena comme butin, pour une nuit d'amour funèbre et sacrilège. Nuit dont l'éternité s'ouvre sur le matin. Et c'est lui qui repose, holocauste au destin, sous un tertre où fleurit, étrange sortilège, ce lourd coquelicot aux lèvres de carnat. Puis-je maintenant inviter M. le maire ainsi que M. le bourgmestre de commune à venir dévoiler la stèle. Je vous remercie. Trompette, ouvre le banc.